La protection des réfugiés devrait être une affaire de tous, une responsabilité partagée selon le langage humanitaire. C'est dans cette logique que la déclaration de New York de septembre 2016 révèle la nécessité de mobiliser plusieurs acteurs pour atteindre les objectifs du cadre d'action globale pour les réfugiés, CRRF. L'objectif du CRRF est de permettre à toutes les parties prenantes de mieux cerner le concept. Selon la directrice adjointe Bureau Afrique, Milissa Mouloutou, ce plan d'action inclut tous les acteurs pour sa mise en œuvre. De ce qui précède, le cadre d'action globale se veut être une réponse à ces attentes, au sens où il met l'accent sur l'importance d'aider les pays et les communautés qui accueillent un grand nombre de réfugiés. Le gouvernement du Tchad, par la voix du ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, assure de sa disponibilité à améliorer la protection des réfugiés et leur offrir davantage l'accès aux services étatiques de base. Le Tchad, qui y a participé avec intérêt, a réaffirmé son engagement et sa disponibilité à contribuer non seulement d'ouvrir ses portes et son cœur aux réfugiés, mais aussi et surtout à les protéger. Au sortir de ce présent symposium, les participants vont apporter les riches contributions d'un plan d'action qui orientera les activités dans la logique des objectifs du cadre d'action globale pour les réfugiés.